Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc bonne nouvelle, j'ai reçu aujourd'hui mes super displays. Hop, te voici. Le VMAX Climax. Donc ça me fait plaisir. Donc je vais pouvoir recommencer mes petites vidéos de samedi, c'est japonais. À la place du Shiny Staravia, on va partir sur du VMAX Climax. Voilà, bah, tout du moins j'ai trois petits displays. Donc on a au moins trois petits week-ends à pouvoir se faire avec cette série-là. Autre bonne nouvelle, donc voltage éclatant. Pareil, donc ça, je vais vous le proposer en prochaine vidéo. La display, le but, c'est de la peser. Voilà, c'est 18 boosters, voir si on peut peser ou pas sur le voltage éclatant. Et on va essayer de faire la même chose avec, hop, un peu plus gros pour le coup, avec de l'évolution céleste en 36. Pareil, un display, et bah, je vais essayer de peser tout ça, voir si techniquement on arrive à sortir ou pas les meilleures cartes en pesant ou pas. Et donc sur deux séries différentes, de façon à pouvoir tester. Voir s'ils ont réussi à corriger tout ça. Voilà, donc ça sera pour les prochaines vidéos. Et pour aujourd'hui, bon, on va simplement partir sur une petite ouverture assez basique. 6 boosters Évolution Céleste, donc voilà, qui sont préparés, qui viennent eux pour le coup de boosters booster en blister, donc non pesables, normalement. Pareil, je ferai peut-être un jour un test pour essayer de vérifier si on peut ou pas manipuler les boosters. Donc voilà, donc les prochaines vidéos en tout cas à venir, on va partir là-dessus. On continue sur l'évolution céleste. Les styles de combat, il y en a encore à faire parce que ma série n'est pas terminée. Du règne de glace, il y en a aussi encore à faire. Donc voilà, donc on a de quoi faire en tout cas pour ce début d'année. Et en sachant que prochainement, je devrais proposer aussi des petites vidéos sur du jeu. J'ai commencé à tester et tout, et je pense que je vais commencer à me lâcher un peu plus en jeu vidéo. Voilà. Ça, c'était pour les petites infos pour ce début d'année, simplement. Hop, bon, j'espère que tout le monde y va bien. J'ai l'air que je parle quand même, ça. Allez, voici déjà un petit code pour vous, les amis. Et oui, pareil, ouais, sur le TCG aussi, je l'ai réinstallé. Donc, j'ai pu récupérer ma sauvegarde, même si j'ai pas non plus ultra avancé. Donc, j'ai réinstallé le TCG. Rhinolove. Ok. L'ombre. Ok. Glace chanceuse. Granivol. Tilton. The Roi. Exagel. Chlorobulle. Copieuse en reverse. Et un Articodin holo. Ok. Bon. Donc pareil sur cette série-là, mes recherches se concentrent quand même beaucoup sur sur quelques VMAX, et sinon on est sur les Full Art. La série pour le coup, elle est quasiment complète. Voilà. Donc, que nous réserve ce petit paquet? Hop, voici. Ouais, donc le TCG, donc l'application, donc je l'ai retéléchargé. Je l'ai réinstallé un petit peu sur le PC, j'ai refait quelques parties. Ça reste sympa. En tout cas, pour faire des parties rapides, vu qu'une partie pour le coup en classique, je trouve ça vachement long. Et puis en plus, faut du monde avec soi. Faut du monde avec soi. Là, c'est l'avantage, c'est de pouvoir faire ça en ligne. Après, ouais, je vous avouerai que j'ai pas été bigement emballé. Faut que je m'intéresse un peu à la chose. Voilà, c'est surtout ça. Mais normalement, ils sont censés changer l'appli un de ces quatre et je crois pas que ça soit fait pour le moment. Par contre, ce qui est bon, hop là, un Flambusard. Par contre, ouais, ce qui est bon, c'est le fait que bah, on a Pokémon Arceus là qui sort le 28 janvier. Bah, donc, ça, pareil, ça, je pense que je vais. Bah, je pense, c'est sûr et certain, je l'achète. Par contre, ouais, je pense qu'on va faire un petit peu de streaming dessus, voilà, donc du live, et puis bah, je pense que les vidéos après seront accessibles après sur la chaîne. Mais c'est vrai que ouais, c'est parti dans des jeux, bah, déjà j'ai hâte qu'ils sortent pour pouvoir le tester. J'ai mes appréhensions dans le sens où ça paraît un bac à sable, mais vachement vide. On risque de beaucoup s'embêter. Après, on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises. Donc voilà. Ouais, mais bon. Hâte en tout cas de le tester prochainement. Dans Excavateur, ok, Monte Rageuse, Darkos, Teddy Ursa, Solochi, Barpo, Granivol, Tignon, un Elector en reverse,
Et hop, un scarabute en rare. Ok, bon. Alors, rien de folichon pour l'instant. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même joué à Pokémon Arceus. Et pareil, si vous êtes joueur sur le TCG Online ou Pokémon Go, n'hésitez pas en commentaire à me le marquer. Voilà, si vous voulez qu'on joue ensemble, ça, c'est possible. Donc, ne pas hésiter. Pareil, j'ai essayé de refaire aussi des petites vidéos sur d'autres jeux Pokémon. Allez, voici. Alors, Chase, Guirigle, Tifei, Chauve-Souris, Evoli, Tritonde, Bombidou, Vert-Pomme, Badge élémentaire et Froussardine en rare. Ok. Ouais. Rien de ouf. On est tous d'accord. Il nous reste quoi? Il nous reste deux paquets. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. On veut du mieux. On veut du gros hit. J'aurais bien voulu une Full Art ou une VMAX en tout cas pour. Au moins Sacha, ça m'aurait fait plaisir. Bah, moi Sacha. Sur un tirage quoi. Allez, hop là. Voici. Donc, énergie électrique. Crabarak. Gobelet échange. Badge élémentaire. Tentacool. Titrouille. Glabri. Love 10. Granipio. Guirigle en reverse. Et derrière, nous avons un Fragiladie en rare. Ok. Ok. Bon, bah c'était le petit tirage de la journée qui voulait pas. Voilà, simplement. Il en faut de temps à autre. Voici. Donc, casque intégral, hypnomade, brésillon, popotasse, tritonde, élianceau, évoli, bombidou, glace chanceuse en reverse, et un trioxydre en holo. Je sais plus si je l'ai ou pas cet holo. Ça va être à vérifier. Ok. Bon, bah rien d'extraordinaire sur ce tirage. Après, ça fait partie des séries que j'ai beaucoup avancé. Donc pour le coup, bah, à chaque tirage, les cartes que je vais tirer sont un peu moins intéressantes. Tout simplement. Même si, bah, voilà, si vous n'avez pas regardé le début de la vidéo ou autre, je vous rappelle qu'il y a le petit display là, on va se le faire et puis on va essayer déjà de voir si c'est pesable ou pas. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on va se faire le display entier, je pense. Pareil pour le voltage éclatant et accessoirement le VMAX Climax, ça c'est pour demain tout simplement. Donc voilà, donc bah, merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, la commenter aussi, voilà un petit message. Surtout savoir si vous jouez ou pas au Pokémon TCG bah, sur l'application en ligne ou sur portable. Si vous jouez à Pokémon Go aussi, ça m'intéresse. Voilà, donc si vous voulez qu'on fasse des parties, des games ensemble, voilà, je suis intéressé. Pokémon Unity aussi, je vais streamer dessus prochainement. Bah, je vais streamer, je vais au moins faire des vidéos, ça c'est sûr. Donc voilà, donc pas mal de choses en tout cas à venir. Donc bah, merci à tous de suivre, de continuer les encouragements, et puis bah, on continue. Merci, ciao, bonne journée, ciao, ciao.